Bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Alcedo Monde. On se retrouve pour une nouvelle émission. Comme promis chaque mois, on se retrouve avec Jérôme. Voilà, bonjour à tous. Tom. Bonjour à tous. Et Evan. Bonjour à tous. Voilà, donc les invités aujourd'hui, une émission un peu particulière. Donc on a fait venir des jeunes passionnés de chasse et de pêche, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Qui partagent aussi leur passion sur les réseaux, Insta, oui. Facebook, tout ça. Donc on va parler un peu de ça, on va débriefer. C'est vrai qu'on est amené à les croiser assez souvent, donc on a c'est dit ça va être sympa de les rencontrer, puis qu'ils se présentent. Et puis voilà, pour une fois qu'on a des jeunes qui sont super motivés et en chasse et en pêche, qui ça bougent bien, les inviter. Voilà, on s'est dit ça va être sympa de présenter ce qu'ils font parce qu'ils ont une super idée. Ils sont très actifs sur les réseaux, donc pour ceux qui nous suivent, je pense que vous êtes aussi un petit peu sur nos réseaux. Donc déjà je vais les laisser se présenter. Ouais, présentez-vous. Okay. Alors bonjour, moi je m'appelle Blaise Evan, je suis jeune chasseur, j'ai 19 ans. Et donc je chasse beaucoup le sanglier sur le secteur de Chamac. Et pour ce qui est de la pêche, je pêche beaucoup tout ce qui est truite, perche, tout ce qui est carnassier. Ok. Alors moi c'est Grelton. Moi depuis tout petit, je suis plus orienté vers la pêche. Donc j'ai appris ça très jeune. Ouais, tout petit. Tout petit, ouais. On a plongé dedans direct. Et après, moi, c'est Evan qui m'a plongé à suite dans la chasse. Ouais, du coup, vous êtes transmis la passion, ouais, en fait. Ouais, transmis la passion, c'est un peu après tous les deux. Complémentaire. Ouais, voilà, c'est ça. Ça. C'est vrai que ben, souvent, c'est ça, c'est le partage entre copains, c'est ce qui motive aussi à y aller. Ah, donc, moi, je vois pour mon cas, c'est pareil. Au début, on pêche un peu seul dans son coin, mais on pêchouille, on fait pas grand-chose. Puis, du coup, les copains se motivent. Voilà. C'est ça, ça motive. Ça motive à fond. Mais... Et chasseur-pêcheur depuis tout jeune, quoi, les deux, c'est ça. Moi, plus chasseur depuis plus chasseur, jeune, oui. Mais la pêche, plus pêcheur. La pêche, j'ai commencé avec le top, pareil, il y a deux ans. D'accord. Deux ans, j'ai commencé à pêcher, oui. Et c'est quoi qui vous a donné envie de créer des réseaux sociaux, tout ça, les pages? C'était surtout pour faire, pour partager notre passion, quoi. Voyez ce qu'on faisait tous les jours à la pêche, à la chasse. Alors, c'est vrai qu'on va rappeler aux abonnés, quand même, ouais. Donc, si vous suivez. Ils ont créé du coup une page Instagram et du coup qui s'appelle Chasse et pêche 48. Voilà, okay. Chasse et pêche 48. Donc on vous mettra le lien sur le commentaire. Donc, vous pourrez, n'hésitez pas à aller vous abonner. Et c'est vrai que nous c'est super sympa parce que on les voit souvent sur les réseaux. On voit qu'est-ce qu'ils ont fait le week-end. S'ils ont été cassés la période de chasse, un petit peu la chasse, un petit peu en période de pêche, les différentes prises. Donc c'est toujours intéressant. Quoi. Vous arrivez à les gérer, en plus on l'a vu, les publications, ouais, c'est des jolies. Vous avez des retours un peu sur quand vous publiez tout ça ou au début, j'imagine, c'est sur du fun, vous avez partagé oui, plus voilà. On partage juste pour notre plaisir, pour plus enregistrer nos données, ce qu'on fait. Ouais, pour avoir un souvenir. Oui, voilà. Aussi pour avoir un souvenir, de base, c'était un peu pour ça qu'on l'avait créé, la page. Et après, c'est... on a. Pas beaucoup de retour. Après, c'est plus pour nous. Après, ça peut déboucher. C'est vrai que moi, je sais que pour mon cas, ça m'avait permis de déboucher sur un petit contrat sponsoring à l'époque. Mais je ne sais pas. Après, je sais que c'était vraiment sur qu'est-ce qu'on va présenter sur la page. Mais c'est vrai que ça peut toujours être sympa. Et puis après, le côté sympa entre nous, de partager. C'est ça. Ouais, du coup, cette saison, chasse, on va commencer par ça. C'est bien passé. Ouais, chasse, plutôt pas mal, oui, ouais. Cette année. Oui, c'est bien. Ouais, le sanglier, c'était un peu triste cette année. Ouais. On a pas fait énormément, on a dû en faire une dizaine sur la société. C'est un peu en baisse sur les années précédentes, mais sinon, oui, c'est pas trop mal. Tu traques, toi? Ouais, je traque quelques fois. Ouais. Si je peux, oui, je traque. Ouais. Sinon, un peu de poisson, c'est cool. Oui, un peu de poisson. C'est cool. Et toi, tu arrives quoi, à chasse? Alors, moi, j'y vais avec lui. Enfin, je l'accompagne parce que j'ai pas le permis encore. D'accord. Que je vais passer cette année. Ah, c'est bien. Je passe cette année. Futur chasseur. Futur chasseur. Ouais, je le passe cette année. Et moi, par rapport à cette année, j'ai été plus que l'année dernière. Et de ce que j'ai vu, ouais, pareil, en baisse. Par contre, on a niveau chevreuil, on a plus. Le cervidé est toujours en progression. Ah, oui. Ouais. Et tout ce qui est cerf et chevreuil, ça arrive beaucoup. Mmh. Bien sûr. On a fait plus d'actions. On a fait plus de chevreuil. Mmh. Cette année, ouais, on a fait quelques-uns. Que sanglier ou ça vous arrive de chasser un peu la bécasse, cette année, t'as la bécasse avec Louis. La troisième personne. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas précisé. Oui, c'est quand troisième, ouais. C'est plutôt trio, on va dire. C'est plutôt trio, ouais. C'est vrai, on n'a pas précisé. Qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais sur la prochaine vidéo. On a des petits jeunes de Chanac aussi. On a un petit jeune qui m'a dit qu'il pêchait aussi avec vous. Donc je pense que de temps en temps, il y a d'autres. Guillaume. Guillaume, ouais, Martin, c'est ça.
et qui est motivé aussi à fond par la pêche, et puis ça motive d'aller d'aller avec des groupes. C'est super bien d'avoir des groupes de jeunes comme ça. Je parle plutôt sur la chasse, parce que la pêche, je pense, a un gros engouement sur les jeunes. Quand même. Ouais, c'est vrai. Alors que la chasse, c'est en train de se perdre, enfin, entre guillemets, mais bon, ça fait plaisir d'avoir des groupes de jeunes comme vous qui sont poissonnés et qui ont envie de faire continuer ça. Puis on a un territoire qui est vraiment. Qui est propice à ça. Et du coup, ce bécasse, ça vous a plu un peu? Ah oui, ça, franchement, c'est sympa. Sympa, ouais. J'avais jamais chassé bien à bécasse avant. Et du coup, ben oui, on l'a découvert avec Louis cette année-là. Et on était à bécasse. Donc j'ai pu en faire deux cette année. D'accord. Les deux toutes premières. Mais ouais, c'était plutôt sympa. Ouais, c'est très sympa. Moi, je sais que je suis un chasseur de bécasse avant tout. Ouais. Et c'est ça. C'est une pratique. C'est technique en plus. C'est technique. Les premières bécasses, tu t'en souviens pas quoi. Ah oui, les chiens. Il faut les chiffres quand même, des chiens expérimentés. C'est un oiseau qui est très compliqué à prélever, très compliqué à trouver. C'est bien. Donc vous êtes tout le temps dehors. Ouais, c'est ça. Ouais. Il faut que. En plus, on reste à l'intérieur. Ouais, ça, c'est cool. Et un chien courant, qu'est-ce que vous avez? Moi, pour le moment, non, moi j'ai pas le chien. Moi. D'accord. Et je pense en prendre un pour le sanglier et peut-être en prendre un pour le chien d'arrêt pour y aller quelques fois. Ok. Ouais, donc ça tape quand même. Ouais, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est cool. Tant mieux. C'est bien. Et cette ouverture pêche, du coup L'ouverture pêche, très compliquée au début. Parce que beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Après, j'ai vu qu'ils sont modestes. Ils ont fait quand même un très beau poisson à l'ouverture. Oui, je sais. J'ai sorti une belle truite dès l'ouverture sous beaucoup d'eau. Ouais, c'est vrai qu'on a eu une crue le week-end de l'ouverture, hein, pour ceux qui ne sont pas du coin. Donc, il fait qu'on a eu beaucoup d'eau de suite et ça a bien marché, mais pas longtemps. Je savais que ce qui allait marcher, c'était surtout sur les gros poissons au début. Surtout en crue, ce qui mordait, c'était pas les petites truites, machin. Du coup, leur soupe directement dans un contre-courant, j'ai réussi à leur. C'est là où on voit que, mine de rien, en fait, les jeunes aussi se pressionnent un petit peu avec les réseaux, ils suivent pas mal de vidéos. En plus, vous avez une technique. Il y a peut-être pas non plus 20 ans de pêcher, mais par contre, déjà on voit qu'il y a de la réflexion, on voit que vous avez bien adapté la pêche ce jour-là, il fallait pêcher, les amortis, le leurre, c'est vrai qu'on a eu l'animation cycloleur juste après, je crois que c'est avec le cyclo souple. C'était vraiment adapté à la circonstance, à la preuve, c'est si tu as fait gros poisson, c'est que c'était parfait. Quoi. C'est ça. Mais c'est bien parce qu'on a beaucoup de monde qui nous dit qu'il n'y a plus beaucoup de poissons et tout, et c'est vrai que. Les truites, elles se sont vraiment adaptées, c'est de plus en plus compliqué. Elles s'éduquent. Ouais, c'est ça, t'as raison. Elles s'éduquent et du coup il faut sans cesse un petit peu se renouveler. Et moi, je trouve que ce qui est énorme, c'est qu'on a des jeunes qui sont super passionnés, quoi, qui arrivent avec des connaissances, quoi, avec les réseaux. Il y a plein de coms sur ça, sur les technicités, vous n'arrêtez pas de regarder, c'est ce qui est cool. Oui, aujourd'hui, sur la pêche, mais toi, tu l'as dit, tu m'as envoyé un snap, tu es en train d'enlever ton garage, t'as vu de l'heure, toi. C'est ça, il faut rester passionné. Moi, même si j'ai des conseils à donner, si vous voulez progresser, c'est. Il faut rester connecté. Il faut rester connecté. Il y a plein de choses à apprendre déjà sur tous ces réseaux. Mais après, il faut après le mettre en pratique aussi. Il ne faut pas faire que ça. Il faut vraiment allier les deux. Je pense que vous savez bien le faire. Oui, après, oui, c'est vous. Ça, c'est vous. Oui. Un gros poisson cette année, mais l'an dernier, moi j'ai commencé un petit peu à suivre votre page parce que l'an dernier vous avez fait aussi un gros poisson, un joli poisson. Ouais. Sur le secteur du Lot, c'est pas. Ouais, c'était pas ce qu'il avait fait. Et Louis qui a refait, la même cette année. Donc il en plus, quoi de mieux. Donc il remis à l'eau. Ouais, c'est ça. Que tu reprends les mêmes poissons. Et là, voilà. Ah oui. Ça fait pas mal. Changement de la tournée comme ça. Et c'était du coup, elle avait beaucoup grossi, non? Un petit peu, 2-3 cm ou 2, pas bien en plus. Ouais, non, et même au poste, oui. Ouais, pareil, exactement, devant sa case. Et après, vous avez fait les photos, vous avez comparé un petit peu, voir sur les points. On a comparé un peu, comparé points, modales, dipes, tout ça. Ouais. Donc du coup, même poisson, ça c'est cool ça. Ça c'est la preuve, c'est que les équipes, ça marche quand même. Alors elles sont un peu plus dures à faire, mais nous on a eu la chance avec Baptiste qui était venu faire l'animation pour Cicola. De piquer le poisson, j'avais piqué sûrement l'année d'avant, pareil, qui était 55, mais bon, c'est des gros chars épuisés, donc on n'a pas pu le remesurer, mais c'était même poste, probablement la même, on aurait pu voir. Donc c'est sûr que le no-kill ça marche, si j'ai un petit message, moi. C'est poursuivre ceux qui veulent. Après, c'est pas interdit de prélever. Hein. Quelqu'un qui veut se faire plaisir peut aussi. Mais le kill, on peut refaire les poissons. Et ce qui est bizarre, c'est que nous, on en a fait une en début de saison avec un collègue. Et deux jours après, notre pêcheur a fait ce même poisson, l'a refait deux jours après.
Donc ça vous permet aussi de le refaire très peu de temps après. Je pense que c'est pour ça aussi que la pêche a un réel engagement envers les jeunes, c'est que justement par rapport au volet. C'est qu'on arrive sur une génération qui ne veulent pas forcément prélever, qui ne veulent pas tuer. Ils sont surtout là pour le fun. Pour la pratique, pour le fun, pour le loisir. Et c'est pour ça que la pêche attire beaucoup de jeunes. Donc ça c'est cool. Et comme tu dis, quand on peut prendre le même poisson l'année d'après, qui est un peu grossier. C'est comme ça, on voit l'évolution du poisson. Exactement, mais je te garantis que si on ne pouvait pas parer un chat, ça serait que mieux. Moi, j'ai pas forcément envie de les prélever. Mais après, si on les attrape pas. C'est ça, quoi. Tu ne vas pas les attraper à l'épisode, c'est compliqué. Ouais. Mais c'est vrai que si on pouvait faire pareil, croyez-moi qu'on le ferait. Quoi. Ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est cool de voir des jeunes comme ça qui sont passionnés de chasse et de pêche. Franchement, ça fait plaisir. Et Louis, du coup, il est plus quoi, lui ? Chasse-pêche, les deux ? Oui, lui, c'est les deux. C'est vraiment les deux. Son papa, depuis jeune. Oui, son papa, là. Surtout son père, aussi. C'est la pêche et la chasse. Pêche au lion aussi. Non, pêche au toc. Il a été attaqué au toc. Et c'est moi, je les ai mis les deux au leurre. Ok. J'essaie de leur apprendre. Ils se débrouillent très bien. Dès qu'on fait du poisson, voire des gros poissons, bien sûr. On a vite la passion qui reprend. T'as envie de faire mieux, etc. Ça va être plus mieux. Par contre, c'est fini. Et un chasse, il est plus plume. Bah oui, lui, oui. Mais quelquefois cette année, il est venu au sanglier. Vachement de fois cette année, il est venu avec toi au sanglier. Ce qui est vrai, c'est qu'à 3, ils arrivent à tout faire. Pêche au toc, pêche au leurre, sanglier, bécasse. Ils arrivent à toucher un peu à tout, c'est intéressant. Ah oui, c'est bien sympa. C'est intéressant. Ça change. Et le carnat aussi, vous avez un peu quand même. Le carnat, oui, on l'a fait. L'an dernier, t'as la charpale. On avait fait les perches et on avait fait quelques brochets. Deux perches, ouais. Mais cette année, on continue un peu plus de fois. Après, c'est ça, souvent l'évolution. C'est vrai que nous, on a une particularité, on a beaucoup de premières catégories. C'est pour ça qu'on est un petit peu nous référents sur la truite. Souvent, on attaque souvent par la truite parce que c'est souvent le premier poisson qu'on a été amené à pêcher quand on était petit. Et puis, petit à petit, à force de vouloir prendre des grosses prises, on s'est dit, il y a du carnat, il y a des brochets, ça peut être un peu plus gros. Et petit à petit, on fait une ou deux sorties, trois sorties, on pique un gros poisson, un gros brochet. On s'y met dans le brochet, c'est puis après ça. Petit à petit on va se un peu plus se spécialiser, mais c'est vrai que c'est dur au début d'être spécialisé un peu dans tout, mais ça vient petit à petit. C'est ce que tu me disais, ton parcours que tu avais fait, et puis après parler sur le matos, quand tu commences le flotte, après le flotte c'est plus assez, tu passes en matos. Voilà, c'est vrai qu'on ne peut pas, pas attaquer tout d'un coup, c'est pas possible. Tout faire d'un coup. Voilà, dernière qui me suis fait péter par un très gros brochet sur Charpal, avec un copain. Sur ça motive, ça. Ouais, moi je me souviens encore mon premier brochet qui m'a cassé au lac du Moulinet. Je l'ai encore. On l'a estimé gros quand même. Oui. Et puis le premier, on est surpris parce que c'est énorme et puis on voit les gros. Puis après ça fait pareil sur. Sur le brochet, j'ai pas le réflexe de ferrer. Hein. Ouais. Alors, petite anecdote. Cette anecdote, on l'a vu faire une chandelle et je lui ai dit, je crois que j'en ai eu un. Et tu le vois sortir de l'eau et bon, mais voilà, premier brochet, j'ai pas ferré, pas du pour moi. Et pareil, je pense qu'il était un peu imposant. Il y en a des costauds sur Charpal. Moi, mes deux records, 109 et 101. Ça paraît. Sur certains autres lacs, c'est petit. On va dire sur le lac de Charpal, l'eau est très froide et noircide. C'est des bons poissons. J'en sors à 90, je suis content. Maintenant, ça fait des générations qui tournent un petit peu. Maintenant, on avait une grosse population de 90 mètres par rapport à la taille du lac. L'an dernier, on avait beaucoup de poissons de 80-90. On va voir cette année. Ça fait un peu des cycles, donc il faut voir. Quand il y en a un peu trop de 90, ils vont manger un peu plus de poissons de 40-50. Oui, ça fait des trous dans les générations. Et sur les truites, c'est un peu pareil. On se rend compte qu'en fonction des crues, c'est vrai que de temps en temps, il manque certaines générations de truites. Donc, il manque des petites ou des grosses. C'est vrai que sur le Lot, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas refait de gros poissons. Et on se voit sur le Lot, là, quand même, globalement, il se refait des poissons corrects. Quelqu'un qui les cherche un peu se fait des beaux poissons. Déjà, on est rassuré un peu parce qu'en mature, on n'avait pas beaucoup d'eau et les niveaux sont, Les niveaux sont bien remontés. Au début, ça faisait. On est de nouveau sur. S'il y en a qui pêchent en ce moment, on est de nouveau sur une partie du moment où c'est un peu compliqué. Ouais. Mais bon, comme chaque année, souvent le mois d'avril, il est souvent un peu plus creux. Et puis, bon, on a eu là, du vent du Nord qui est un petit peu refroidi. Il y a plein de facteurs, peut-être la lune, peut-être. Mais ça va, voilà, on va voir un peu mieux quand ça va se réchauffer, voir ce que ça donne. Vous arrivez à y aller régulièrement quand même ? Oui, quelquefois à la pêche, oui. J'y suis allé quand je suis allé hier, moi. Très très compliqué hier. Que des petites. Voilà, c'est ça. Que... Après, il se fait quelques gros poissons.
encore, mais c'est compliqué. L'année dernière, on avait fait une belle sortie, mais c'était la seule. On a fait pendant demi-heure, on va dire, des beaux poissons. Et après, plus rien. Et après, des sorties, on fait que du petit poisson, que du tout petit poisson. Toi, t'es à la Villefort, lundi. Ouais, Villefort, donc là qu'on allait voir, parce que ben, lundi, on regardait un peu la météo aussi. Changement un peu de vent, on a espéré. On a fait pas mal de truites arc-en-ciel, des beaux poissons. Et après, on y allait vraiment pour trouver des truites lacustres, des sauvages. On a fait une petite truite lacustre de 30, mais pas le poisson qu'on cherchait. On les a pas forcément vus non plus au sondeur. Il faudra retenter la chance. Mais on a fait pas mal de truites arc-en-ciel, on s'est régalé. Des beaux poissons. Vraiment, c'est bon. Parfait, c'est cool tout ça. Tir d'été, ça vous intéresse un peu? Pas du tout. De quoi? Un chat, ça tire d'été, juillet, août. Si, alors, j'en fais un stage. Ça, c'est une première année que t'as fait? Ouais, première année. C'est intéressant ça, tu vas te voir. C'est pas mal ça. Plus il fait beau. Les chats sont solitaires, mais tranquilles, quand il fait beau. Moi, je le pratique depuis quelques années maintenant, mais c'est quand même sympa. Tu fais un peu de renard, un peu de. Ça peut être anglais, surtout les nuisibles, et puis c'est toujours agréable de passer un bon moment de son là. C'est sympa. Toujours sur la vue. Ouais, toujours sur la pote. Parfait. Bon, bah, c'est dit. On a voilà. Parlé un peu de tout. Un peu de tout. Bonne invité. On vous rappelle, on mettra le lien de leur page Insta si ça les embête pas en commentaire. Comme ça, vous pouvez voir ce qu'ils font et puis les encourager aussi. Donc, chasse-pêche 48 sur Instagram si vous voulez les trouver. Si vous avez après, vous n'avez pas de page sur Facebook ou vous n'avez que Insta pour l'instant. Instagram. Peut-être Facebook à venir. Ouais, voilà. Petit aparté, on s'excuse aussi parce que la vidéo devait être le premier vendredi du mois, donc vendredi dernier. Mais du coup, avec des aléas, voilà, ça a été compliqué pour se retrouver en temps et en heure comme on veut. Donc, bon, elle sera postée avec quasiment une semaine de retard. Mais bon, ça va être, on n'essaiera pas de refaire la même erreur la prochaine fois. Mais voilà, des fois, c'est pas évident de se caler quoi, entre les messages pour ça. Des choses à rajouter peut-être? Pas plus. Une bonne zone de pêche à tous. Déjà. N'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, un commentaire si vous avez des vidéos en plus. À s'abonner à leur page Instagram parce qu'ils méritent. Des jeunes passionnés, ouais. Ça vaut toujours le coup. Merci Jérôme. Ben, merci Tom, merci Evan. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. Allez, à plus. Allez.